La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. VOA Creole content entrer la CAO pour le présenter au yon programme dans langue creole haïtien. Jeudi, c'est mercredi, ou bien jeudi 23 mai 2024. Moi, c'est Jacques Labellisa. Quelques grands points cap deviner actualité. Président Joe Biden ak tout première dame nan akyeyi jodi a nan la Maison Blanche, président Kenya William Ruto ak tout madame ni nan kadyon visite d'état ici aux États-Unis, nan moment Kenya a paré pour prendre tête yon mission multinationale pour appui sécurité nan pays d'Haïti. Toujours nan Washington, comité mobilisation contre dictature nan pays d'Haïti Komokoda ki basé nan New York, manifesté plusieurs côtés nan Washington parmi yo devant la Maison Blanche pour dénoncer mission multinationale qui pral rive nan pays d'Haïti. Haïti, gouvernement démissionnaire, prolongé couvre-feu jusqu'à 28 mai, deux jours après les prolongés état d'urgence là sous département l'Ouest là. Et puis dans Mexique, yon rafale vent renversé yon installation électorale, bilan 9 moun mouri parmi yon ti moun et gen 63 moun ki blessé. Oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans yon ti moment, mais actualité a mené nous d'abord dans la Maison Blanche côté que président Joe Biden accueilli Jodia dans la Maison Blanche, président Kenya, William Ruto. Nous avons deux envoyés spéciaux. D'abord, nous avons un envoyé spécial dans la Maison Blanche en parlant de Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe est santé, attendez Jodia dans la Maison Blanche avec rencontre ça dans le cadre d'une visite d'État, président Kenya, William Ruto. Donc, il semble qu'il y a un problème technique qui fait que nous pas qu'à rejoindre Jean-Robert Philippe. Et depuis matin, il y a un petit la pluie qui t'a tombé sous Washington. Mais malgré ça, ça va empêcher que tu aies plusieurs monde. Et dans le grand matin, Jean-Robert est live avec nous. Et Jean-Robert est fait nous suivre et te ba nous une idée de qui j'en situation est. Nous pas rejoindre Jean-Robert Philippe et matin. Nous pour rejoindre Jean-Robert Philippe et nous t'es capable ouais côté Jean-Robert Philippe t'es live matin hein, et Jean-Marc Hervé Abel a fait nous ouais que Jean-Robert Philippe t'es live matin côté que malgré t'es gain la pluie mais t'es gain pile monde qui t'es fait déplacement yo même pour yo t'es venu ouais visite d'état ça que président Kenya William Ruto a fait dans la Maison Blanche dans moment que Kenya a paré pour prendre tête yon mission multinationale pour appui la sécurité dans le pays d'Haïti. Et Jean-Marc Hervé Abela, est-ce que tout le monde est pareil? Kenya, ensemble avec Madame Ni et William Ruto, qui vini dans la maison dans le cadre d'une visite d'État. Et nous avons des matins, un choral qui a chanté la DM. Non? Et là, nous avons un full monde là. C'est tout le monde qui fait des bassements. Il y a plusieurs centaines, si ce pas même des milliers, même qui déjà là. Et quand la pluie a tombé, mais ça va empêcher que Mounio reste là quand même pour assister à ce qui a passé. Je rappelle que le président Kenya William Ruto, eh bien, c'est une visite d'État qu'il a fait dans Washington et c'est coup présidentiel américain même pour un dame. Et Jill Biden avec le président Biden qui a accueilli lui. Et c'est toute une cérémonie qu'il a fait. Alors dans le calendrier qui vient pour journée aujourd'hui, on rencontre tête à tête entre le président Kenya William Ruto avec le président Biden. Il y a plus de sujets qu'on peut discuter dans le contrat, pour l'accord bilatéral, les relations entre deux pays, les questions commerciales par exemple, et l'autre question technologique que l'administration fait connaître que l'a cherché à joindre au vice avec le président Kenya. Et tout le problème tout et dette. Kenya, tout qui va dans ce calendrier. Et un point qui est aussi important pour nous-mêmes, c'est justement la question du déploiement force Kenya dans le pays d'Haïti. Nous rappelons que les Kenya ont accepté pour prendre tête une mission la paix ou une mission sécurité en Haïti. Et bien, l'administration américaine a été bravo pour la décision ça. Et que c'est lui que l'administration a supporté. Donc, très certainement, dans le centre et la discussion qui a été tête à tête avec le président kenyan, et bien, très certainement, question Haïti à la dans le centre de là. Et c'est qui façon que Haïti lui-même, voulait, ou bien les États-Unis, voulait aider Kenya, sortir et réussir dans la mission. Qui est capable de mission difficile, mais qui est capable pas difficile, tout dépend de qui les acteurs concernés ont pris ça. Actuellement, on a la pluie qui a tombé là, mais la marguerite, on a fait la pluie qui est là. Mais on ne va pas bouger, non? On a tout le monde qui est capable là quand même. Il y a des gens qui connaissent la pluie, qui soutient avec la pluie, non? Mais donc, on a fait là, il y a absolument tout le bagage. Donc, il y en a pas tant. Donc, c'est comme ça, c'est le commencement de la cérémonie. Depuis Saflon,
la Maison Blanche. Moi, c'est Jean-Aubert Philippe, VOA Créole. Tant que nous voyons Jean-Aubert Philippe braver danger dans la pluie pour être capable de faire téléspectateurs, nous, eh bien, vive moment, ça, un moment qui est très spécial, parce que c'est Sarah que, eh bien, la Maison Blanche mettait tout le paquet pour l'accueillir, yon leader et africain, et ça a 16 ans depuis on bail qu'on s'est pas fait. Nous parlons jeune Jean-Aubert Philippe, lui-même qui était là encore, dans le moment que deux présidents, deux homologues, deux tokayos, eh bien, t'es rencontré avec la presse. Jean-Aubert, dis-nous plus dans tout ça, ouais, et dans la rencontre ça qui était gagné entre deux chefs d'État, yo. Eh bien, toujours un problème technique. Na essayer de retrouver Jean-Robert Pita encore dans le programme. Fondi tout, pendant ce temps, gagné le comité mobilisation contre dictature dans le pays d'Haïti, Komokoda. C'est un groupe qui est basé dans New York. Et eux-mêmes, ils ont fait manifestation plusieurs côtés dans l'occasion. Visite d'État, président William Ruto. Ils étaient devant la Maison Blanche, ils étaient devant l'ambassade Kenya dans Washington, ils étaient devant l'ambassade pays d'Haïti tout dans Washington. Et nous avons un envoyé spécial, nous. Et gentil Augustin Junior, qui a dit nous plus sur ça. Merci Jacqueline, je nous te dis là, nous avons notre troisième stop. Komokoda t'a fait dans journée 23 ça à côté que yo t'a parlé avec président Ruto qui dans une visite d'état aux États-Unis. Premier stop yo c'était devant la Maison Blanche matin côté président Ruto t'a parlé ensemble avec ton président Joe Biden sous différents sujets. Parmi yo nous capable dit yo t'a sujet diplomatie yo t'a parlé parce que ça fait 16 ans côté que un président africain pas jamais venu comme dans visite d'état aux États-Unis. Deuxième bagaille m'était tendu moi-même pendant m'tap suivre discours président Ruto matin, il était parlé des affaires commerce. Il t'a remis que commerce entre Kenya avec États-Unis ouvert, côté que il va créer plus job là Kaili parce qu'il va capable échanger avec États-Unis. Et troisième stop Komokoda, deuxième stop Komokoda pour bien dire, c'est devant ambassade Kenya dans Washington qui a un bloc de côté campé là, côté que yo t'a parlé avec frère africain yo, Jean Odile là. Côté que Kenya pas ta supposé accepter une mission comme ça parce que c'est travail impérialiste la libre le fait. Et kounya là, j'aime tout là, nous dans troisième stop là, côté que moun Komokoda yo derrière dominant là, il a chanté, il a voyé slogan sous gouvernement haïtien parce que ambassade haïtien c'est là yo dit qui représente gouvernement haïtien diplomatiquement. Donc yo m'te parlé avec un responsable yo, nous pral tande ça te dit nous dans intervention là. Nous faisons trois étapes parce que le projet Kenya, nous voulons tout le monde connaître, que nous comprenons que c'est un projet américain. Il n'y a pas aucun rapport avec aider Haïtien, il n'y a pas aucun rapport avec soulager la souffrance du peuple haïtien. So, nous voulons comprendre que là, William Ruto a pris son projet panafricain qu'il a fait, son menti qu'il y a. Et en effet, chaque jour, le peuple haïtien a compris ça plus bien. Et le Joe Biden invité William Ruto dans la Maison Blanche, c'est pour nous comprendre son récompense. C'est pour le faire tout le monde comprendre que États-Unis campé avec Kenya. Non seulement que yo ba yo yon contrat défense 5 ans pour dire yo remercier yo pour ça qu'a fait en Haïti, mais nous tande $600 million, nous wè avion qu'a monté descendre rentrer en Haïti, voyez porter toute qualité agribay. Qui donc nous voulons et faut que moi dire peuple Kenya lui-même lui comprendre. Même j'ai avec peuple haïtien que ça n'est pas un bagage pour Haïti qui a réglé là. Abattrait haïtien, pouvoir populaire. Abattrait haïtien, pouvoir populaire. Abagonzé haïtien, pouvoir populaire. Merci un peu Jacqueline, c'est un plaisir pour nous t'avoir. C'est Gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Créole.
Oui, donc Moukoud a fait 3 stops et 3 arrêts. Il fait un devant la Maison Blanche, un devant ambassade pays Kenya dans Washington et puis devant ambassade pays d'Haïti toujours dans Washington. Et visite d'État président William Ruto a conduit nous tout droit dans cause et forme. Côté, on parti dans planification et visite ça, tenant même mesdames yo dans la Maison Blanche et cause et forme jodi a, yon présentation Sandra Lemaire. Première dame Jill Biden, ba journaliste yo ou aperçu de sa la Maison Blanche paré pour dîner officiel yo organisé jeudi soir pour président kenyan William Ruto ak madame ni Rachel. So tomorrow night we mark the 60th anniversary of the United States partnership with Kenya. Lidi jeudi soir n'a marqué 60e anniversaire partenariat entre États-Unis et Kenya avec un dîner élégant en bas étoile yo dans un pavillon qui fait presque entièrement à vide. N'a admiré un seul ciel pendant ce temps dehors a fait nuit. Donc n'a metté bougie pour illuminer tabio pour inviter yo dans un espace qui saturé avec couleur rose et puis rouge. Madame Biden expliquait tout thème les choisi pour dîner. As guests leave, their path illuminated by our one moon. Pendant invité, ou après chemin pour aller dans l'espace là en bas lumière lune, m'a espéré y a ressenti même sentiment chaleureux. Moi-même, moi t'ai ressenti. Première fois, moi t'ai visité Kenya. Sentiment amitié qui pourrait durer longtemps et puis aider créer un avenir chargé à prospérité. Ruto s'est invité d'honneur dans le premier dîner d'État États-Unis organisé pour un pays africain depuis 2008. Président Ruto pral mettre accent sur relations serrées à Washington et puis partager un mouli pour 2 styles musique américain particulier, gospel avec country. Biden invité 500 moun dans la Maison Blanche jeudi soir, ça qui fait dîner à une plus gros dîner administration liant jambes patronnées. Biden pas très respecté pour mes cités faites pour visiter Afrique l'année passée, mais il suggérait mercredi les gains intention voyager sous continent le mois de février 2025 après les voix élus. Ça qui pourra dépendre, bien entendu, de résultats élection présidentielle mois de novembre. Dîner d'État yo représente un outil clé diplomatie américaine que yo kon réservé pour plus gros alliés États-Unis. Yo. Carlos Elizondo, c'est secrétaire social la Maison Blanche. So tomorrow night we've created an experience that will feature the beautiful scenes. Pour jeudi soir nous créons une expérience qui met accent sur bel panorama à la Maison Blanche et puis monument Washington non que puis fort monde pas jamais gain chance jouer. Dîner ça tombé dans une époque délicate par rapport à la relation entre Washington et l'Afrique. Après un coup d'État dans Niger, côté gouvernement militaire, t'es passé l'ordre par troupes américaines pour y'a parti quitter le pays. Mais tout ça, la Chine et la Russie a fait effort pour élargir l'influence sur la politique et l'économie Afrique. La couleur runs through each table. Roses and orchids. Tabio a très coloré. N'a bien rose à orchidée, ça qui représentait États-Unis à Kenya, et puis fleur pivoine à renoncule, qui c'est fleur préférée première dame là. Tapia a couleur fuchsia, ça qui bat espace là une chaleur invitant et puis une belle couleur. Président Ruto a passé 3 jours aux États-Unis, dans un moment côté pays Afrique de l'Est là apparaît pour le déployer forcely en Haïti, dans la mission sécurité que l'ONU a appuyé pour rétablir sécurité en Haïti. Pendant dîner, vedette country Brad Paisley pral performer et puis tout cœur gospel université Howard là. Qui sac sous menu a? Susie and I are so excited for this state dinner. Chef exécutif Chris Comerford dit Susie avem nous comptons à mort pour nous préparer dîner d'état ça parce que li marqué commencement saison été a premier bagage n'a servi c'est une soupe tomate glacée nous préparer la tomate verte et puis ajouter oignons que nous mariner et puis gagner cocombe et puis vinaigre ça rappelait nous qui genre saison été a doué a gagner dessert tout bien entendu. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Donc, en gros, nous gagnons idée de voyage, visite d'État, ça qui est.
Et non seulement d'abord, tu as gagné président ou toi avec toute madame qui t'est débarqué à Atlanta. Après ça, tu es rentré à Washington DC. Côté que tu as coupé Jean-Aubert et fait que ce dino là, un ben, il rencontre, il fait visite d'État et puis à Soya, a gagné gros et dîner d'État. Donc, c'est tout ça qui marquait visite d'État avec 60e anniversaire relation de pays ou sous VOA Creole. C'est pratiquement une visite historique qui réunit tous les deux partis. Nous, représentants parti républicain avec représentants parti démocrate là, dans gros visite d'État ça. N'après t'es toujours dans l'actualité concernant les États-Unis. Côté nous, n'a pas les élections, n'a pas les justice. Côté ancien président Donald Trump qui a fait face à un pile et difficulté avec la justice et pendant que les candidats pour élection qui gagne pour dérouler et 5 novembre cap vini là nous connaît que et semaine qui s'est passé là ou bien semaine qui s'est passé là yo et ben ancien président Donald Trump te gagne pour te faire face en pile avec la justice il gagne paquet démêlé avec la justice nous gagne Valérie Saint-Louis depuis New York. Cas criminel et historique contre ancien président Donald Trump là, qu'a tombé dans jou k'ap vin la yo. Et quel que soit résultat verdict là, li ka affecté élection présidentielle 2024 là. Mais qui j'en li ka affecté li selon certains observateurs. Donald Trump était déjà plaidé non coupable pour 34 accusations pour faux dossier business li yo, pour casser fait couvrir un paiement l'argent pour acheter silence vedette film porno Stormy Daniels. Jugement New York ça, c'est premier jugement criminel contre un ancien président américain. Moi t'ai dû retourner à faire campagne dans moment, moi pas supposé ici là. Et il est très possible tout que c'est seul jugement que Donald Trump pral gen pour le faire face avant élection 5 novembre nan k'ap vin là contre président démocrate Joe Biden. Si on ta joine Donald Trump coupable, selon un sondage Reuters Ipsos réalisé sous potentiel électeur qui déjà enregistré pour y voter dans mois avril là, résultat sondage là ta suggéré que yon sous 4 électeurs républicains pas voter pour Donald Trump si yo joine li coupable dans un jugement criminel. Dans yon course électoral serré qui t'a qu'à décider dans parmi sa yorele Battleground State yo, qui c'est état ici aux États-Unis yo, qui considéré coué champ de bataille électorale. Même yon ti quantité électeur républicain avec quelques électeurs indépendants qui t'a déçu par yon verdict, côté la justice t'a joine Donald Trump t'a coupable, t'a qu'à aider Joe Biden gagner élection yo d'après yon sondage que républicain yo fait. Mais comme ça tout, yon l'autre bord Trump a allié li yo t'a qu'à servi ak verdict coupable ça comme yon complotaille, yon persécution politique. Et si yon t'a joine Donald Trump non coupable, verdict non coupable la t'a doué yon gros victoire pour Donald Trump d'après expert yo k'a fait analyse à travers échiquier politique là. Pendant campagne lien Trump a capable réclamer et fait valoir que l'autre accusation gain contre lui pas gain aucune valeur légale. Yo accusé le comme quoi il était essayé renverser résultat élection 2020 dans Washington à état Georgia. Et puis li a fait face à accusation dans état Floride là pour document classifié que le était serré la caille. Et il était plaidé non coupable tout pour cas ça yo. Ça prend le fait que si Potelio ak Bazio t'a senti yo validé et que t'a joindre revanche yo. Et si 12 membres jury yo pa ka d'accord sou yo verdict inanime, résultat pral comme yo victoire pour Donald Trump. Expert légal yo di à ce moment-là, juge la ta doué déclarer annulation procès. Et d'après yo, Donald Trump a gen en pile chance servi ak sa comme yo victoire. Pourtant si yo ta annulé jugement, ça pral quand même vle di que électeur croit que au moins gen quelques nan membres jury yo qui au même croit que Donald Trump t'est coupable. Mais tout ça c'est analyse. Et pendant ce temps, ancien candidat républicain Nikki Haley fait déclaration hier mercredi 22 mai pour dire que li pral voter pour ancien président Donald Trump dans l'élection présidentielle novembre. I will be voting for Trump. Moi pral voter pour Donald Trump. Nikki Haley te dit que Trump comparait favorablement avec président Joe Biden que lui-même li rele une catastrophe. C'est comme ça que Nikki Haley t'est parlé devant une audience conservative dans Hudson Institute en Washington. Mais elle était dit tout que Donald Trump doit continuer à contacter électeurs qui supportent lui dans cousla et puis il n'est pas supposé penser qu'il pral automatiquement voter pour lui. Faut que Donald Trump mette pied la terre et puis continue à faire campagne. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Quelques points dans l'actualité internationale. Là, d'abord, dans l'Amérique latine, gain en Mexique, yon rafale vent renversé yon installation électorale. Bilan gain 9 moun ki mouri, parmi yon ti moun, et gain 60
trois autres qui blessés. En Iran même, c'est clôture 5 jours d'œil qui bouclait dernier et hommage que y a rendu président Ibrahim Raisi qui mourit dimanche qui s'est passé là dans un accident hélicoptère. Il était avec tout ministre Affaires étrangères avec 6 autres monde qui était dans appareil là. Il a enterré président Raisi dans ville Natali en parlant de Mashhad qui dans nord-ouest pays là côté te gagne des centaines de milliers de monde qui était rendu yon hommage et gen plusieurs monde qui fait déplacement gen plusieurs pays tout qui voyait monde mais pas dans niveau chef d'état ou souvé au créole ou a suivi un programme dans langue créole haïtien actualité dans pays d'Haïti dans un petit moment. Ou toujours souvé au créole, n'a pas mettre depuis Washington DC, Conseil présidentiel transition organisé yon séance travail hier mercredi a nan intention pour mettre campé yon Conseil national sécurité conformément à accord 3 avril là. Nous gen détail avec Renan Toussaint depuis rencontre ça té réuni experts national professionnel nan diaspora ak l'autre personnalité importante qui gen rapport ak article 25, 26 ak 27. Accord 3 avril 2024 là. Cependant, aucun nom expert ak participant pas révélé. Objectif là, selon Conseil présidentiel transition, hein, c'est utiliser yon meilleure formule qui permet force l'audio bay yon réponse efficace par rapport à crise sécurité ya, conformément à résolution 2699 Conseil sécurité Nations Unies. Gagnon violence désastreuse que bonne armée yo provoqué dans pays d'Haïti dernier temps ça yo c'est commissariat ak sous-commissariat police que bonne armée yo continue à détruire selon thème référence accord 3 avril 2024 là Conseil national sécurité a gain mission pour superviser assistance internationale dans domaine sécuritaire en collaboration avec acteurs national ak international yo. Selon thème référence accord 3 avril 2024 l'an, Conseil national sécurité a gain mission pour superviser assistance internationale dans domaine sécurité en collaboration avec acteurs national et international. Selon une note qui portait signature coordonnateur général Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, CPTA renouvelé engagement pour collaborer avec tout partenaire pour capable garantir sécurité et stabilité en Haïti. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et bien, toujours dans le pays d'Haïti, le gouvernement démissionnel a lui-même prolongé couvre-feu jusqu'à 28 mai, deux jours après les prolongé état d'urgence là, sous département l'Ouest. Nous gagnons sous place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Gouvernement haïtien décidé prolonger couvre-feu dans le département l'Ouest, côté capitale la située et côté état urgence en vigueur pour tenter freiner les actes violentieux. Premier ministre pour un petit bout de temps, Michel Patrick Boisvert annoncé dans un communiqué couvre-feu à Kembe sorti mercredi 22 mai pour arriver mardi 28 cap vini là de 10h dans soirée pour arriver 5h dans matin. Communiqué a précisé mais ça pas concerné force l'audio, pompiers, ambulanciers, personnel médical et journalistes qui correctement identifié. Décision ça qui pas nouveau apprend depuis près de 3 mois mais au pas grand qu'un effet significatif sur situation sécuritaire. Haïti a confronté à une escalade violence avec massacre, attaque, viol et enlèvement bandi améo pas suspend fait. Mardi 21 mai, bandi yo yon l'autre fois encore prend possible espace sous commissariat police là dans Matissan entre sud capitale là. Vidéo qui a circulé sur réseaux sociaux yo montre gros dommage sous commissariat ça qui se contrôle gang améo depuis juin 2021 subi. Dans la nuit de vendredi 17 pour arriver samedi 18 mai 2024 là, gang 400 Marozo utilisait une pelle excavatrice pour détruire commissariat prison civile Croix des Bouquets dans Nord Port-au-Prince. Alors que prison pour femmes dans Titanien qui trouvait à plus passer 30 km dans Nord Port-au-Prince abandonné depuis plusieurs mois, les mêmes tours bandits ont détruit. Malfrayo passé en bas flamme dit fait tout sous commissariat police Cesslesla dans l'île à voir bon repos. Mardi 21 mai 2024 là, attaque sa yo contre commissariat ak sous-commissariat police vini nan un moment processus déploiement mission multinational appui ak sécurité nan pays d'Haïti a accéléré même lorsque gen information ki fait croire
capable gon tire retard dans déploiement ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Ta kono sot nan den nan reportaj yo, e ben gangame yo, yo menm yo utilize anjen lou pou kraze infrastruktur polis la ki, surtout ki nan zon non dwa yo, Masado Vilme ap di nou plus. Anbaje otorite polisye yo, bandi viv ansam yo tanmen yon operasyon kraze komisaria ak sou komisaria polis ki nan rejyon metropoliten nan. Nan kwa de bouke, se plis pase 5 pos polis gang yo komanse kraze depi avan selebrasyon fèt drapo ayisyen. Nan antre sit kapital la tou, bandi ki ap evolye nan 3e circonscription komanse ak menm demache si la. Tan kou Matisan 1, asayen ou mete dife epi krasé avèk pel ekskavatris sou komisaria ki nan zon si la. Yo mete dife tou nan sou komisaria abitasyon Leclerc ki li menm nan Matisan 23. Nouvel yo fè konen, bandi yo ta deja komanse krasé sou komisaria ki nan Grand Ravine. Sepadan, informasyon yo fè konen aksyon sa yo vize nan lide pou empêche soldat fòs multinasyonal yo jwenn espas pou tabli baz yo. An tèm de reaksyon, yon responsab dwazimen Pierre Espérance kalifiye aksyon gang yo kom yon zak teoris. Bandi yo, gang yo, e ki ak sa fè nan peyi a, se ak teoris ki a fè avèk komplisite e otorite yo. Pas gen aucune possibilité pour gang aussi puissant que ça dans pays a sans y pas gen connivence avec autorité dans plus haut niveau dans l'état particulièrement hiérarchie la police et qui donc c'est complicité directeur général la police qui fait que gang puissant comme ça qui fait qu'il y a pas attaqué les ouvriers fait ça ouvrier côté ouvrier et sans pas gen effet. Et ça vient faire que les policiers qui veulent travailler, qui veulent combattre les bandits, la vie vient exposer par rapport à la complicité en directeur général avec les bandits. Selon responsable de Douamouna, démarche qu'a fait pour déploiement force multinationale a déjà créé panique dans les bandits. Pierre Espérance souligne qu'il faut que tu aies passé, mais qui fait tout dans cette police-là. Yo commencé paniquer par rapport avec quantité matériel à équipement qui yo fait là qui a commencé cependant moi pense si ou gagne un nouveau leadership dans la police sous un gouvernement qui est responsable et si acte la chaîne pénale a fait travail et par rapport avec équipement que moi capinal moi pense j'en dis là rien de deux départements qui ont plus problème c'est l'ouest là avec la Tibonite. Et yo capable de résister parce que bandi yo commencé à paniquer. Nous doit dire coup de balle passé span chanté dans périmètre palais national là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Donc c'était actualité à dans pays d'Haïti et go nouvelle là ici Washington et qui gagne rapport avec Haïti, c'est visite d'état ça que président Kenya qui gagne avec madame Itou Rachel Ruto qui trouvé au dans Washington d'ici Jodia et yo même yo rencontré Jodia avec et président Joe Biden qui exprimé en pile et attention pour leadership que monsieur Ruto président Ruto a établi dans sous continent africain pour travail que l'a fait pour travail il fait déjà et il mettait en pile accent tout sous coopération sous relation entre deux pays côté a fêté au pral et célébré là à Square dans gros et dîner d'état ça et ben qui Jean que au pral célébrer 60e anniversaire relation que au gain et première dame t'a expliqué dans qui condition que ça pral fait et qui belle bagaille qui pral gain qui belle manger Sandra Le Maire t'es parlé de ça et monsieur Ruto tout président Ruto tout est prend la parole et tout ça dans la Maison Blanche jodi à côté que on t'ai Jean-Robert Philippe lui-même qui t'ai couvert la Maison Blanche pour nous était gonti la pluie dans matin mais ça pas empêché que grand pile monde qui t'ai fait déplacement pour une raison pour une autre et puis t'ai gain Komokoda tout lui-même qui basé dans New York lui-même qui t'ai fait 3 stops il t'ai fait un devant la Maison Blanche yon devant ambassade pays Kenya dans Washington et puis l'autre là devant ambassade pays d'Haïti dans Washington et puis son façon yo dit pour être capable dénoncer Misosa qui a bien pour débarquer dans pays d'Haïti nous pratiquement arrivé dans fin programme là nous remercier Jean-Marc Hervé Abela qui était chef pupitre là sans oublier deux envoyés spéciaux nous Gentil Augustin Junior avec Jean-Robert Philippe qui était yon dans la Maison Blanche et puis yon dans les rues de Washington.
Washington. Moi c'est Jacques Lemelizer. Un plaisir l'autre fois qu'on peut te servir. À demain. Que dans visite ça que président Kenya fait dans États-Unis dans ensemble de points qu'a discuté yo, c'est vrai avec question relation et coopération entre les pays Kenya et États-Unis, mais tout yo pral discuter sous déploiement mission ça en Haïti et que pays Kenya lui-même li apprend tête mission ça ça a na mettre discussion yo et ça pral fait débat avec entre deux présidents, William Ruto qui est président pays Kenya et puis Joe Biden président pays États-Unis. En même temps tout, zanmi eternot nou yo, nou pral continuer garder question série sous-commissariat à commissariat que bandi vivant ensemble a crasé en dans pays. En même temps, on va regarder question Conseil présidentiel de transition qui mettait campé. Alors, qui a travaillé sur question là? Conseil national sécurité et défense, non? KNSD1. Dans l'idée pour regarder comment on est capable tout gagner une structure qui existait pour tout travail en permanence, toujours, dans résoudre, dans porter réponse avec question insécurité en Haïti. Bon, c'est ensemble de points ça, on va faire débat sur eux et une après l'autre. D'abord, moi voulais dire que insécurité ou dis-moi ce que opération démolition commissariat avec sous-commissariat que bandi vivant ensemble après pour si bavel là, li pas étonné aucun monde. Sous France LB, comme directeur général de la police, mon petit bouton, nous avons dit que plus que une trentaine de commissariats et sous-commissariats et antennes de police qui crasaient, qui boulaient, par bandit à Meyou. Mais en même temps, tout, nous avons dit que qui ça que France LB a dit au commandement de la police, non? À la tête li France LB qui sa ou état major la meyan qui sa yo di tête yo les a gardé Jean que bandi armé sa yo a détruit commissariat a démoli commissariat et nèg yo aussi à l'aise nèg yo prend tout temps yo pour yo poser action sa yo. Nèg yo pran tout temps yo, yo à l'aise kou blaise. Et pas blaise Peterson non. Mais nèg yo à l'aise kou blaise pour que yo poser action démolition, opération démoli craser commissariat ak sous-commissariat nou yo. Et commissariat agressé yo jusqu'à moment on a parlé là. C'est la police qui a fait résistance. C'est la police qui a goumé avec bandi armé yo pour empêcher que yo pas prend commissariat Christia. Bien que la police présente dans commissariat, mais la police pas présente dans toute commune non. Et ça fait ou joine gagner ancien député Gressien Antonio Verriquet qui dit la police, c'est vrai, nous comprenons que faut nous protéger, faut nous surveiller commissariat, mais pas oublier, la vie moun yo pi important que commissariat dans le moment. Parce que pendant que la police lui-même et la contrôle des commissariats pour ne pas vivre là, mais que l'équipe bonne zone qui a abandonné et que bandit dans le moment, yo même, y a tué moun, y a déchappé moun, y a métédifié. Et dans ce sens-là, que ancien député Antonio Verriquet et ensemble de notables en dedans et commune Gressier agent exécutif intérimaire Gressier tout moun sa yo encore a mandé
avec autorité concernée yo nan pi au niveau si gen autorité j'aime toujours dire si gen autorité parce que comme conseil la peine vini li même mais si n'a parlé de autorité policière m'pa parler de question équipe qui là parce que pendant de plus que 2 ans France LB pourquoi jamais nombre opération. Non. Chaîne commande la police pourquoi jamais né une bonne opération pendant 2 ans plus que 2 ans qu'il n'a rien là. Pendant plus que 2 ans n'a rien là. N'a pas jamais nombre opération. Pour t'a dit que il y a que volonté pour t'a matraquer pour t'a démanteler bandi yo. Il pas jamais nombre opération. Et samedi, n'importe moun qui dit, n'importe moun qui pense que c'est menti, dis-moi qui opération sérieux qu'on connaît, que depuis France LB prend tête pays, tête la police, que yo mené. Et tout les Ariel Henry chef CSPN. L'elté là, qui opération que CSPN Ariel t'a dirigé avec Emily Prophète Milce et puis France LB t'a dirigé, qui opération sérieux qui ont mené? Rien, zéro. 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 Je dis, m'a fait une campagne de dénigrement contre France LB. M'a gagné avec personnage, m'a connu. A dit, m'a connu comme de chez la police, m'a connu. Seulement que ça. Mais m'le que rete dans la réalité. Youne qui se directeur général la police, ou se responsable sécurité tout le monde en de pays. C'est France LB qui est responsable sécurité environ 12 millions haïtiens dans pays. L'aime dit ça c'est numéro 1 et puis chaîne commandant Avel. Parce que c'est lui pour bailler l'ordre. Elle pour bailler l'ordre. OK? Elle pour prendre décision. Et s'il pas bailler l'ordre, il va prendre décision. Ça montre que place n'est pas là. Ça montre que l'État dans cocodai, l'État dans tête langue ou dis-moi ce que l'État gagne de intérêt dans sa gain là comme insécurité. Parce que il pas logique que 80% territoire Port-au-Prince payan, il contrôlé par bandi armé 80%. 80%. Il est contrôlé par bandits armés, par criminels notoires, par de assassins, par de terroristes. Et on pas jamais joindre une réponse qui est proportionnelle avec action posée. Nous là, on a regardé. Nous là, on a regardé. Mon a mouri. OK? Mon a mouri. Bandi a envahi zone Kaimounyo. Bandi a mette difé. Bandi a mette difé. Bandi a envahi Kaimounyo. Bandi a violé. Bandi a touye. Bandi a commettre un ensemble de actions malhonnêtes. Et puis, en bas de Nawe, en bas de Grenje, autorité concernée nous yo en bas dégringer autorité concernée nous yo bon comme m'a laissé autorité m'a laissé au chef pour moi-même parce que lorsque chef ou placé pour établir sécurité ou pas qu'à établir sécurité ou pas qu'à établir la paix ou pas qu'à faire pays à fonctionner ou pas gouverner ou pas diriger ou pas administrer m'a laissé autorité. Par contre, qui nomme là-bas, mais m'a quitté que zami internet nous qui au bail non que t'avais là-bas là. Et me reprenne bien. Ça fait en pile fois que problème insécurité pas jamais qu'à résoudre, mais pas résoudre. C'est parce que il y a trop corruption dans l'état. C'est parce que nous on l'état qui effondré. Nous on l'état qui en pile là qui est internet insécurité.
Nous avons ensemble de secteurs dans le pays qui ont même des intérêts dans l'insécurité et qui ont même cap alimenter l'insécurité. Et ça fait nous que gagner et résoudre question insécurité, résoudre problème insécurité, n'est pas aussi facile. Yeah. Résoudre problème insécurité, n'est pas aussi facile. Parce que il y a trois mecs qui campent là-dedans. Il y a trois personnes qui ont des crocodiles, il y a trois personnes qui ont des intérêts dans l'insécurité. Parce que, en pile, il y a des propres compagnies de sécurité. Ça veut dire, les gens étrangers, les gens diplomates qui entrent dans le pays, c'est eux qui baillent les gens en sécurité pour être capables de sécuriser les gens. Ça veut dire, il y a des intérêts dans ce qui passe dans le pays. Vous comprenez? Je dis, je crois que. Situation que Haïti a vive là. Situation d'insécurité. Pays a connu là. Pays a enduré là. Laissez-moi dire non que. Ni pas biti. Laissez-moi dire non que. Faut que nous prenions de bonnes décisions. Ah oui. Et il faut nous prendre de bons mesures, mesures drastiques, mesures sévères. Yeah. Mesures sévères, mesures qui vraiment diam pour que nous bataillons contre la question de sécurité. OK. Parce que je dis, hein, les que nous gardons très bien. OK. Je dis, hein. Je dis, hein. M'le dis non que. M'le fait comprendre que. Insécurité, hein. OK. Insécurité, violence, non. Lycée, yon violence. OK? Lycée, yon violence. Généralisé. Lycée, yon insécurité généralisée. Et ligue de gros bras caché derrière elle. Ligue de bras dans l'international caché derrière elle. Ligue de main dans secteur privé branche oligarque corrompu caché derrière elle. Ligue de main politique caché derrière elle. OK? Et ligue de l'autre main dans société que nous pas ta imaginer, que nous pas ta penser. Qui jodi an la k'ap financer insécurité an la? Qui jodi an la k'ap bay tété, k'ap bay lèt, k'ap bay k'ap nourri insécurité en Haïti nan moment? Et ça fait moi di que bataille contre insécurité li se yon bataille pour que nous craser réseau ça. Lycée en bataille pour nous craser association. Lycée en bataille pour nous craser ensemble de monde qui gagne de intérêt. De gros intérêt dans ça gagne là comme insécurité. Lycée, il pas une petite bataille petit. Il pas une petite bataille petit. Et je dis à me croire que toute kata moi je suis metté, je suis ramassé que nous est bandi vivant ensemble a fait là on met couem c'est parce que yo ke de moun ki kapé derrière yo ke de moun ki koré yo ke de moun ka pousser yo et moun ka pousser yo c'est dans ensemble de secteurs que me so dit là que yo yé. Ah oui. Moun ka pousser yo c'est de moun qui
dans le secteur que je dis là. Yo. Ok? Et je dis quoi que pendant que m'a demandé peuple haïtien, pendant que m'a demandé si là yo qui toujours suivent émission nous yo, qui toujours garder émission nous yo, ah oui, qui toujours suivent émission nous yo, ok. Ok. Je dis en là. Comprenez bien que m'a demandé qui est vraiment comme secteur, qui est vraiment comme groupe qui était et qui cachait. Ou dis-moi ce que Kabay bandi a mis ça au plan. Pour craser le commissariat nous, pour craser ce commissariat nous, qui est ce qui a plein ça avec Bandi? Yeah. Qui est ce qui a plein ça avec Bandi? D'ailleurs, je connais. D'ailleurs, vraiment, je connais. Parce que, qui est ce qui a le commissariat, que les gens entreprennent là, que nèg a posé comme action là, on t'a bien aimé connait qui est ce qui ba nèg plan ça. Mais c'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux la caille bandi yo, la caille criminel yo, la caille bandi yo, la caille criminel yo. Les que yo décidé, les que yo accepté, les que yo choisi pour yo marcher dans logique craser commissariat nou yo, les que yo marché yo décidé rentrer dans logique déchepiller tout petit business moun gagné dans zone nan. Côté établi basio. OK? Côté établi basio. Yeah. Côté établi basio. Et tout. Dans la façon que vous même, vous décidez à faire ça faire. Dans la façon que vous même, vous agi là dans le pays. Parce que je dis à Singa de très bien. Je dis à si nous essayons d'analyser et si nous questionner ça qui vient là comme problème, non. Nous avons dit nous que pays d'Haïti, ils sont pays pour nous être capables de reformater. Hein? Son pays pour nous reformater. Et reformater, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est regarder, rewe façon que bandi armé, ensemble de secteurs qui sont pays, yo mette ensemble, yo contribuer pour craser, pour déchepiller, pour mettre à genoux, pour mettre tout un pays ça. Et pour empêcher même haïtien qui en dans pays, même haïtien qui en dans pays, même haïtien qui dans diaspora, yo empêcher pour vivre haïtien qui en dans pays, et si là qui dans diaspora yo que yo ba au dégoûtance, yo ba au dépit pour pas entrer en Haïti. Oui. Yo ba ou dégoûtance, yo ba ou dépit, puis yo pas entrer en Haïti. Et je dis à moi que chaque fois que nous capables de tendre,
chaque fois que entendez nous un haïtien qui lui-même qui est victime de situation pays et qui gagne tout ensemble de dégoûtant ça yo on comprend haïtien qui dans diaspora qui gagne dégoût pour pays. Moi comprendre haïtien qui dans diaspora qui dit pas de changement pour Haïti. Mais moi même m'a dit yo non, gè changement pour Haïti. Mais changement pour gè pour haïtien, faut retirer bonne volo sa yo. Et l'aime dit bonne volo, volo avec yo. Volo dans classe politique là. Volo dans classe économique là. Société civile droits humains. Et même si là en pile qui dans diaspora tout, yo fait association pour mettre Haïti côté là. Mais je dis m'a dit bagarre en clair. Nous pas commander haïtien pour Haïti non. Non. Nous pas commander haïtien pour quitter Haïti. Non. Et ceci dit, c'est pas tout haïtien qui a quitté Haïti. Et c'est pas tout haïtien qui envie quitter Haïti. Bien que gen haïtien qui gen volonté, c'est moi yo pa gen, ou dis moi ce que c'est une occasion à veiller pour eux-mêmes, yo la gen pi yo. Ah oui. C'est une occasion à veiller eux-mêmes bon côté pa yo pour la gen pi yo. Yeah. Une occasion à veiller eux-mêmes pour yo la gen pi yo. Pour la gen pi yo. Moi-même pa di non. Même pas dit non. Pas dit non moi-même. Pas dit non. Parce que est-ce que je dis un espoir pour que pays lui-même il change? On me dit oui. Même les changements qu'apprend nous des années. Changement apprend nous en pile année. Mais si nous commençons à poser premier wash là. Ah oui. Changement apprend nous en pile année. Mais si nous commençons à poser premier wash là, bah c'est ça qui a vindé nous yo à faire cela. Ma regarde une petite vidéo aux amis et qui fait, par contre qui l'a fait, si c'est matin qui journée qui était jeudi 23 mai. Zami en fait cette vidéo hein. Côté que la montré comment en bas la ville dans moment. Comment rue de la Réunion s'est honoré, zone Bois Saint-Vincent, rue Pavé, rue des Miracles. Comment zone ça oui. M'a regardé en clair. C'est un ensemble de zones. C'est un ensemble de zones qui je dis en là qui tournait comme si m'a dit là de espace abandonné. Un ensemble de zones qui tournait un ensemble espace abandonné. Mais m'a dit mon petit qui était zone ça yo, gè espoir, n'a pas tourné la caine. Et n'a pas tourné pour de bon. Et n'a pas jamais pour nous pas jamais prendre dans courir encore. Ça fait moi dit. Population ou même cap vivre dans quartier yo. Je dis à commencer penser pour nous aider la police, aider l'armée, hein, et aider mes missions qui sont venues dans le pays hein, pour battre contre la question de sécurité. Hein. Parce que battre contre l'insécurité, pas seulement la police, pas seulement l'armée. Hein. Et il y a 20 000 missions pour nous là. Il y a une mission avec 1 million de garçons. Il y a une mission avec tout le matériel battant que l'on là. Mais est-ce que nous connaissons si que population li même en soi li pas aider la police li pas aider force qui la yo nan bata contre sécurité yan c'est la vie messie a te? Ah oui si que population pas utiliser formule qui dit j'ai ouais bouche parler hein et m'a poté coller
point sécurité kaba parce que nous en vivive mais n'a fait carré nous même tout à plaigner n'a fait carré nous même tout à connait des moments très difficiles à connait des moments très très difficiles parce que je dis hein m'a dit là encore bataille contre insécurité c'est une chaîne que lié et dans chaîne ça il y a plusieurs maillons là-dedans. Bataille contre insécurité c'est une chaîne que lié et dans chaîne ça il y a plusieurs maillons là-dedans. Il y a plusieurs maillons là-dedans. Bataille contre insécurité c'est une chaîne que lié et il y a plusieurs maillons là-dedans. Ah oui, il y a plusieurs maillons là-dedans. Et maillon une main qui te fait yo c'est ou même population civile. Et dans la même chaîne insécurité, si je prends inverse, dans la chaîne insécurité, il y a plusieurs maillons là-dedans. Mais maillon qui est plus faible que la victime, c'est ou même population. Maillon qui est plus faible et que la victime, c'est ou même population haïtienne. Mais dans la chaîne sécurité, il y a plusieurs maillons là-dedans. Maillon qui pour porter plus gros contribution c'est population qui pour collaborer qui pour dénoncer parce que je dis hein bandi armé yo criminel notre yo y a cherché utiliser OK y a cherché utiliser nous-mêmes comme population civile, ok? Y a cherché utiliser nous comme population civile pour que nous capables tourner comme bouclier, pour que nous capables tourner bouclier négio. Moi connais que c'est un ghetto à nous habiter. Moi connais que c'est dans ghetto nous vive. C'est là nous gè kay nous et là nous lever là nous grandi. Nous pas ka monter en haut pour aller faire mes kay million 20. Nous pas gen l'argent pour ça. Moi connais ça. Mais est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous pas toujours dit hein? Même jeune garçon ça que je dis hein que nous t'a décidé protéger yo, c'est même yo même encore k'ap détruit nous. Et c'est même yo même encore k'ap détruit on proche nous. Y a détruit nous et y a détruit nos proches. C'est même eux-mêmes encore qui a fait ça. Est-ce que nous d'accord que pour que nous continuions détruire nous-mêmes ou dis-moi est-ce que nous d'accord pour que nous continuions à détruire un autre groupe qui dans l'autre zone qui parle lui-même qui va gagner un pouvoir dans action avec armée ça yo. Moi-même comprendre que je dis hein. Bataille insécurité à son paquet, son gros bataille. Oui. Bataille contre insécurité, hein? C'est un gros bataille. Ah oui. C'est un gros bataille. Et ou bata quoi ça? Ou bata quoi que gè de gros bras cachés? Yeah. Ou pas ta quoi que de gros intérêt. Et me dit nous ça que de gros intérêt. Et je dis à me que nous comprendre. Parce que on est cap investi dans pays, cap vivre dans pays. Quel que soit même n'est pas dans capitale haïtienne là. Même n'est pas sous d'elle mal, il va dans zone jodi à côté bandio. Et côté bandio qui paye yo. Insécurité pas jamais fait bien non. Non. Insécurité a pas fait le bien. Li pas fait le bien. Non, li pas fait le bien. Li pas fait le bien. On est qui jodi hein côté que insécurité ça là. Que le prend j'arrête. Insécurité ça là. Li augmente la dimension ça. Pendant que c'est un négacé ou entrepreneur, négacé ou investisseur, soit l'investi dans petite et moyenne entreprise, et puis ça arrive là ou pensez que l'argent fait le bien.
Ah, vous pensez que on est comme j'aime de dire ça, man. Valérie Numa, comme on est comme un personnage public, même j'ai avec nous dans le métier, qui a de gros investissements que fait dans Okaï, je dis, ça va faire bien. Parce que hôtel, bagay, li gen dans Okaï, restaurant, gen dans Okaï, les pays, les touristes rentrent, y a rentré Okaï, y a pral gade, y a pral place, y a pral gelé, y a pral descendre dans l'hôtel lien, même de même tout haïtien qui, et alors, et ici là, qui n'importe où, dans notre département, a besoin d'aller Okaï, à le visiter, à le découvrir ensemble de bagay. Vous comprenez? Mais kounya côté qui au ka passé côté au ka passé côté au ka passé côté au ka passé on comprend je dis en bas c'est que quel que soit moun que t'as capable yé, hein? Quel que soit groupe ko yé, hein? Nan niveau que ou impliqué nan insécurité, hein? Nan niveau que ou décidé mette pays hein, à genoux jan li la, mou ka di clairement que insécurité, hein? Fon bataille kol. Nou tan de barbecue kap pale, kap di yo, et comme ni tan de mission ap vini le 23, c'est trois quêtes la chalade, yel ap tan mission an, ap tan si, oh la police ou gen matériel kounya, ou ka vin attaque, ou ka vin goumen, la vin dim depose les armes, amnistie, nou pa besoin amnistie. Mes amis, bagay la trop rive loin. Bagay la rive trop loin. Ah oui. Bagay la rive trop loin, zami, tiyan notre. Mais elle arrive trop loin. Et si je dis là, dans le niveau que ça arrive là, si je dis toujours ça, si un n'est pas dit, ça ne va pas le faire. Yeah. Si un n'est pas dit, ça ne va pas le faire. Et je crois que c'est ça pour nous. Et je crois que la réalité, la situation, ça qui a passé là, ça qui est là, si un n'est pas fait, un n'est pas dit. Sobral dim. Si un n'est pas fait, un n'est pas sobral dim. Que je dis en bas, c'est que situation qui est là, problème qui est là, et réalité qui existe là entre nous là, nous pas qu'à d'accord ça, nous pas qu'à accepter ça. Et je crois que je dis, nous n'avons pas de problème dans présenté là. Mon quoi que je dis hein nan jan que réalité pays en pral aller là li mandé que chaque grain haïtien li mandé OK et li mandé que pour nous prendre engagement li mandé que pour nous comprendre ça gain là insécurité à jodi an lycée priorité chaque haïtien et si nous à chaque temps que moi-même m'a parlé de li ak Désir Venesse c'est parce que nous toujours dit pas que aucun pays qui avance pas que aucun pays qui fait progrès qui nan insécurité pas ça va en fait ça va jamais fait côté que un pays avance un pays fait progrès dans l'insécurité, dans la violence, dans l'instabilité. Non, à pas en fait. Pays développé, pays avancé, pays progressé, dans sécurité, dans la paix, dans tête ensemble et dans investissement. Dans investissement, et pour investir, il faut gagner sécurité et pour permettre que gagne job, gagne emploi qui créé pour diminuer dans la question de chômage dans le pays. Et pour augmenter richesse économie pays ça et pour investir dans l'agriculture puisque Haïti son pays qui est essentiellement agricole j'ai qu'une déconne de l'étude de l'école bien que je dis hein bah même quoi nous c'est E A A et non essentiel en agriculture parce que tout bagage ça c'est fini à part de canal de résistance canal de fierté canal de dignité que nous gain là qui sont symboles de bataille bien que je dis là dans ce canal là donc on tout ça qu'a parlé de lui mais ça ça
pas qu'à intimider nous et ça pas qu'à comme si même n'était pas des petits problèmes en mitan nous. Mais pense que après qu'on finit réaliser gros mouvement ça qui s'est fait canal pour permettre que et moun en plein Aribaou capable commencer gain espoir de l'eau capable coller dans jardin pour manger, gain des petits détails en pas entrer là-dedans, gain des petits détails en pas mettre zizani, gain des petits détails en pas mettre division, parce que il y a toujours haïtien comme un peuple qui divisé, il y a toujours haïtien comme un peuple qui pas aimer mettre ensemble, il y a toujours peuple haïtien comme un peuple qui remet goumen. De jodi an, an nous continuer de casser l'exemple, an continuer montrer que nous capable faire de grand chose, nous capable faire de grand qui soit en un pays ça. Parce que Haïti nous est là. Parce que Haïti nous est là. Péché ça que nous est là. M'a toujours dit gay espoir pour lui. Ah oui. Gay espoir pour lui. OK. Gay espoir pour lui. Et vraiment c'est nous tous ensemble. Gay espoir pour lui. C'est nous tous ensemble qui pour d'accord. Qui pour reconnaître que Haïti chéri nous. Haïti que nous aimons en pile. Parce que je me dis bien. En pile Haïti aime Haïti. Même là, il y a un cap fait hypocrisie, vous comprenez? En pile Haïtien aime Haïti. Dès là, il y a pile intérieur, il y a pile bien. Yo. Je dis à pile les qui sous sanction, qui te choisi, en mes jeunes garçons. En nan ghetto, au lieu que yo te investi nan yo, mette l'école professionnelle, me, voye métier, à la, voye apprendre métier, mais je dis, parce que yo te besoin de défendre intérêt économique yo, intérêt politique yo, mais je dis, le yo tombe en bas sanction, ou bien ça ka passe yo là? Ou bien yo plein? Ou bien yo piti? Hein? Yo piti yo plein? Je dis en bas c'est que nous dwe capable, comprendre ça gien là, comme situation, ça gien là comme problème. Ah oui, ça gien là comme situation, ça gien là comme problème. Et problème non, une fois que nous identifier, parce que nous identifier problème yo, ok, nous identifier problème non, yeah, nous identifier problème yo, bien. Parce que le fait que nous identifier problème non mais ou bien nous identifier problème yo mais comprendre que nous devons agir comprendre que agir c'est agir bien faut dire bien ça tout c'est agir bien c'est agir bien pour ne pas augmenter problème n'est plus que j'en ai là. Agir bien, c'est permettre que nous ayons un plan et à travers plan ça, la baille de résultat non tant que en plus moun attend parce que conseil là gain devant pour capable rétablir sécurité en dans pays. Nous d'accord ça. Conseil là gain devant pour que li organiser conférence nationale et puis réforme constitutionnelle. Conseil en pour organiser élection démocratique, crédit participatif, j'en dis là. Conseil en pour restaurer la justice et état de droit. Conseil en pour remettre campé institution financière nous yo. Ça c'est ensemble de missions que yo signé. OK. T'es signé. Pour que à travers accord que ont été signé à 4 avril là yo dit mais ensemble de points yo pral gagner comme yo pral exécuter pendant ti temps mandat yo et ça yo te dit et ça yo te dit on comprend et ça yo te dit mais je dis hein à chaque fois que nous garder gens que situation pral là j'ai que problème yo pralé là nan moment
ou envie dit tout hey ou envie dit tout ça qui a passé là ça qui gain là ça qui a privé là ah oui ou envie dit ça oui ou envie questionner ça oui ou envie dit ça ou envie questionner ça et ou envie ouais ça que donc je dis hein on pensait que chaque graine dans nous en Haïti ou à l'étranger qui c'est un haïtien conséquent qui c'est un haïtien honnête qui c'est un haïtien qui digne pour comprendre et pour camper des ça qui a passé là en un pays comprendre camper derrière ça qui a passé là en un pays et je dis à moi que les que nous va camper les que nous va camper les que nous va ouais les que nous va observer nous va garder gens que situation lui-même OK gens que situation lui-même lié là nous pensons que réalité problème là ça gien là yo yo mérité pour que chaque monde chaque acteur qui yo vraiment juste en relé partition pa yo et selon Pierre Espérance défenseur des droits humains li dit que bandi yo commencé à laguer pied yo gien en pile zone là bandi yo commencé à quitter zone yo après en province pour yo hein y a plagué pied yo y a prend province pour yo et qui en pile tout qui commence à changer look yeah gien en pile qui commencer à changer look et l'aime dit changer look là m'le dit qui ça il avait dit si cheveux était jang jang yo commence à nettoyer cheveux yo à faire cheveux yo fait ti babio mais ils avaient nous dit que ça fait nous dit brigade de surveillance dans zone yo je dois réactiver brigade de surveillance dans zone yo je dois réactiver après dit encore brigade de surveillance dans zone yo je dois réactiver pour contrôler tout étranger tout inconnu tout trait cap rentrer dans zone côté nous yo et le fait que nous on étranger nous on inconnu que nous pas qu'on habite ouais dans zone nous qui intérêt pour nous questionner pour demander qui est lié nous qui intérêt pour nous questionner pour demander qui est lié avant même pour que nous ta réagi contre lui ça me clair sur ça tout et pas parce que mon nan gen un étranger ou pas connait dans zone et puis pour li ba réagir sur lui non nous gen pour questionner lui nous gen pour demander qui est lié ça l'a fait dans zone nan et qui mon li vinn derrière dans zone nan qui est venu dans zone nan est-ce que li gen mon qui habite dans zone a dit au moins en fonction de ensemble de questions ça yo que n'a gen de détails sur moun ça parce que nèg yo commencé à changer la paix a commencé pour aller dans kanèg yo Pérez a commencé à aller dans kanèg yo et ça fait fon contrôler fon veiller fon veiller fon surveiller ça fait moi dit et pas seulement mettez barrière dans zone la caille nous nous mettez barrière c'est youn mais en même temps tout fon penser à exactement mettez contrôle surveillance et porter contribution pa nous dans zone côté nous et même l'enta dans la rue tout des bagages qui passer nous de mauvais jeu mais s'il le faut pour nous collaborer pour nous contribuer avec la police c'est contribuer parce que insécurité hein faut le fini insécurité faut le fini parce que mon envie vivre dans pays diaspora envie entrer dans pays ah oui diaspora envie entrer dans pays et moi-même pense que c'est chaque haïtien qui dans diaspora haïtien Saint-Domingue tout que ça côté en dehors pays yo besoin de Haïti merci tout le monde.